Donc, dans le fond, il y a trois panneaux dans la console. Principalement, le panneau du centre, c'est tous les contrôles de couleur, de contraste, de couleur primaire, secondaire, de courbe, de couleur. Tout se passe ici. Le panneau qui est ici, c'est pour la tablette graphique. Donc, c'est ce qui me permet de me déplacer dans mon moniteur de contrôle et aussi sur l'image quand je vais aller chercher à enlever des poussières, par exemple ici. Et puis, le dernier panneau, en fait, c'est le panneau de contrôle du défilement du film, le play, le reverse, le déplacement par timecode ou par frame sur la timeline et les layers différents de correction de couleur que je pourrais avoir. Par exemple, si je fais un key, je vais le programmer ici. Je vais l'installer ici, le key. Je vais le travailler ici. Mais donc, tous les panneaux, évidemment, sont en concordance, travaillent ensemble. Et puis, mais c'est surtout pour le contrôle de la timeline que je vais me servir de ce panneau-là. Aussi pour la zoomer, savoir si, bon, sur un frame, j'ai quelque chose de spécial qui accroche, peu importe. Mais en gros, c'est ça. C'est ça. Puis, on va pouvoir aussi, avec le panneau du centre, se déplacer d'une piste à l'autre pour faire différentes corrections de couleur ou de restauration. Passer d'un plan à l'autre, le déplacement dans la timeline, cadre par cadre. Ensuite, ici, c'est les multicouches de correction. Donc ici, j'ai deux couches pour de la restauration, une pour travailler sur les frames, puis une autre travailler sur les poussières. Puis si je vais me déplacer avec un timecode, ben, je vais le programmer ici, puis faire un queue automatisé directement dessus.